Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ça, aujourd'hui je décide de filmer ma vidéo sur les premiers jours de ma pâtisserie Abby. Vous allez voir, là, je suis habillée pareil comme mon récit d'accouchement parce que j'ai décidé de faire les vidéos la même journée. Là, ça allait super bien, j'étais vraiment, en tout cas, je suis vraiment en forme aujourd'hui. Donc, je me suis dit pourquoi pas, puis je pense que je vais même partir. Bon, en fait, j'ai parti un vlog, je pense, pour ma journée. Donc, c'est sûr que je ne mettrai pas tout en ligne la même journée, mais c'est normal que je sois habillée pareil. Là, ma petite cocotte, elle jase dans son sommeil. Elle est à côté de moi dans la poussette. On vient d'aller faire un beau petit tour. Il fait super beau. J'avais tellement chaud, j'ai enlevé mon manteau. Ouh, qu'il fait chaud. Donc, voilà. Je fais même pas si chaud que ça, là, on s'entend, mais il fait comme, je sais pas, là, je sais même pas comment il fait. Mais en tout cas, après avoir marché une heure. Et donc, j'y vais, sans plus tarder. Dans le fond, j'étais rendue après mon récit d'accouchement. Après mon accouchement, on a été dans une chambre, comme je disais, semi-privée. On était toutes seules dedans. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Là, compte tenu du COVID, ça ne tentait pas d'être avec une autre famille. Mais bref, on n'aurait pas eu le choix, là. Donc, les assurances à mon chum payaient pour la semi-privée. Imaginez-vous là, qu'une privée, ça coûtait 211 $ par nuit. Je suis restée 3 nuits à l'hôpital. J'étais comme, ça nous aurait coûté, parce que c'était pas du tout payé par nos assurances, là. Tu sais, ça nous aurait coûté 630 $. On capotait, là, je disais, c'est quoi, là, excuse-moi, ouais, genre le sud, là. J'étais là, ouais, c'est un passé bien, mais tu sais, avec, en tout cas, avec les circonstances, on y a pensé, puis on s'est dit, gars, on prend la chance, une semi privée, peut-être qu'on va être tout seul. Puis finalement, la première nuit, on était tout seul. Donc, c'est ça, comme je vous dis, on s'est un petit peu fait garrocher, là. J'ai trouvé ça un peu moyen. Pas vraiment d'aide, juste ça, tu sais, son petit lit est là, ça c'est là, ça c'est là, vos couverts, teinte-toi, merci, bonsoir. Fait que là, j'étais comme, ok. Fait que comme je vous ai dit, la première nuit, mon allaitement s'est pas très bien passé. Tu sais, je pense que déjà des seins à la base, les mamelons sont pas, je veux dire, c'est la première fois que je me fais téter dessus, là, on s'entend. Fait que déjà là, c'est comme nouveau, c'est sensible. Puis c'est ça, ma cocotte, elle prenait pas le sein comme il faut. Je pense qu'elle ouvrait pas assez grand la bouche, là, de ce que je me suis fait dire. Mais, tu sais, elle avait vraiment une bonne tétée, puis elle a vraiment une très, très bonne succion. Ça, c'est quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, elle m'a vraiment blessée. Elle a fait des gerçures, tout ça. Donc, c'est sûr que quand elle est faite pendant comme une nuit au complet, ben on s'entend qu'après, ben ça va être douloureux jusqu'à temps que ça guérisse. Donc, c'est ça. Comme je disais aussi, là, j'étais tellement brûlée. J'étais comme plus là, là, vraiment, là, c'est fou, là, tu sais, comme je t'ai dit, les deux nuits d'avant, j'avais dormi 2 heures, là, t'accouches, c'est comme si t'avais couru un marathon, c'est épouvantable comme on est fatigué après ça, faut comme ton corps récupère. En même temps, j'ai pas encore dormi, j'avais tellement mal, comme je vous dis, à ma déchirure, au sein, l'OL, tu sais, veut pas, c'est comme la première nuit, on est genre tout seul là-dedans. Je trouvais vraiment que, tu sais, c'était comme bing-bang, on vous laisse avec votre nouveau-né, tu sais. Mais bon, on a fait ce qu'on pouvait, puis tu sais, c'est ça, c'est nouveau quand même là, pour nous. Et la deuxième journée, comme je vous ai dit, là, je me suis fait plus montrer des trucs, là, tu sais, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle infirmière, tu sais, j'allaitais, je demandais de l'aide et tout ça. Ils m'ont prescrit comme une petite crème, ils m'ont donné en fait une crème pour les mamelons. Ça soulageait un peu, mais c'est mal, comme je vous dis, le mal était fait, donc à chaque fois que j'allaitais, ça me faisait hyper mal. C'était comme coup de couteau, coup de couteau, coup de couteau, je vous dis, là, tu sais, j'étais là, je sais même pas si je vais allaiter après l'hôpital tellement que ça me faisait mal. Fait que c'est ça, qu'on passe la journée là, puis là, mettons, vers comme 2-3 heures, on demande aux infirmières, tu sais, est-ce que on a notre congé ce soir ou on attend demain matin? Puis dans le fond, c'est vraiment 36 heures. Donc, vu qu'on est comme accouché à 6 heures le matin, il fallait comme rester accouché une autre nuit. Donc, c'est ça, tu sais, on veut pas, on a connu un petit peu notre petite cocotte, puis tu sais, on en a profité. Mais comme je vous dis, j'étais vraiment, vraiment brûlée. C'est comme si j'étais pas toute là, là, honnêtement, là. Tu sais, on a présenté notre fille sur FaceTime à nos parents. Je l'ai faite avec mon frère aussi, avec une amie. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, Paris Morine, là, ils l'ont vu et tout. Le lendemain, c'est ça. Là, dans la nuit, il y a une infirmière qui vient, genre vers 5 h du matin. Puis là, genre, elle nous... Ben, tu sais, elle veut pas à chaque fois, on se fait comme un peu réveiller. Là, elle dit, ben, je prépare la chambre, mettons, parce qu'il y a d'autres mondes qui arrivent. Elle est là, là. Ça venait de cacher notre nuit. Là, je me suis mal stressée. Oh non, il va y avoir d'autres monde à côté. Là, je pensais au COVID. Puis là, je capotais. Et finalement, là,
Les gens sont arrivés à 10h20. Fait que, tu sais, j'ai comme fait, hey, c'est un peu ordinaire que tu me réveilles en plein milieu de la nuit pour me dire qu'il va y avoir du monde à côté quand, dans le fond, il arrive comme 5 heures plus tard. Sérieux, on était vraiment fâchés parce que là, ça fait comme je pensais, moi, qu'elle arrivait. Puis, tu sais, en tout cas, ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment ordinaire. Mais que voulez-vous? Donc, le matin, vers 8h15, là, ma petite, elle s'est faite comme. Tu sais, ils font comme une prise de sang au niveau de la jaunisse. Puis là, ben, elle était haute. Donc là, on ne savait pas trop si on allait pouvoir partir de l'hôpital ou non. Donc, bref, on a eu comme d'autres résultats et tout ça. Puis là, finalement, elle était vraiment limite, mais elle l'avait pas. Mais tu sais, c'était à surveiller. Donc, le lendemain, on allait devoir aller au CLSC pour s'assurer que, tu sais, ça n'avait pas augmenté. Mais elle était vraiment, vraiment limite. Mais tu sais, honnêtement, compte tenu des circonstances, on espérait pouvoir sortir cette journée-là. Donc, on a comme parti vers 1h finalement parce que ça a comme été long avant d'avoir tous les résultats. Donc, on est quand même resté un petit peu plus longtemps. Donc, là, nous sommes super contents. On quitte l'hôpital. Juste vous dire aussi le stationnement pour 3 jours, 48 $. C'est pas donné hein, pour se stationner. En tout cas, c'est juste une petite parenthèse. Mais c'est ça. Fait que là, finalement, on part. On est super contents. On arrive chez nous. Il est comme 2h. Mais c'est ça. Plus, tu sais, j'assens. En tout cas. Je la sentais comme plus maussade, puis tout ça, en tout cas. Fait que là, le lendemain matin, on s'en va. Ben, je vais au CLSC parce que mon chum ne peut pas venir avec moi. Et sérieux, là, elle était vraiment, vraiment jaune, là, limite orange. Je ne savais pas de bon sens comment elle était vraiment fond. Ben, tu sais, elle était vraiment jaune, là. Donc, c'est ça, elle a repiqué dans le talon, puis tout ça. Puis elle m'a dit, elle est vraiment haute. Elle était comme à 318. Puis le seuil ordinaire, je pense que c'était comme. Je me souviens plus, là, parce que les seuils changeaient à tous les jours, là. Dans le fond, à tant de jours de vie, son seuil est comme ça, c'est vraiment haut. En tout cas, peu importe, là. Donc, elle me dit, prépare-toi, parce que d'après moi, tu vas aller à l'hôpital, puis tu vas coucher là. Là, je me suis mis à capoter. Mais elle dit, en même temps, c'est peut-être mieux comme ça. Elle dit, à l'hôpital, tu vas avoir de la photothérapie. Dans ce cas, c'est une photothérapie, là, dans le fond, que ça fait. Puis, on la met comme en dessous de plein de lumière. Puis, dans le fond, ça fait diminuer sa jaunisse plus rapidement. Puis elle dit, ça dépend du médecin qui va répondre. Dans le fond, si jamais le médecin il est comme un peu plus stressé, tu sais, il va te faire venir ce soir. Parce qu'elle dit, moi, à ce. Le seuil était tellement haut qu'elle dit, moi, c'est sûr que je te dis que tu couches à l'hôpital. Mais elle dit, il y a des médecins qui disent, ah, ben, reviens demain. Puis après ça, le surlendemain. Puis finalement, ça augmente tout le temps. Puis là, tu n'as pas le choix, pareil, d'aller à l'hôpital. Fait qu'autant mieux de le casser tout de suite que d'attendre quelques jours chez vous à stresser parce que ça augmente. Puis là, tu sais pas quoi faire. Mais là, elle n'est pas admise à l'hôpital. En tout cas. Là, j'arrive chez nous, là, j'étais comme, mon Dieu, là, je capotais, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, mon chum peut pas venir avec moi, je m'en vais à l'urgence. Donc, c'est ça, je me fais appeler pour me dire qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, parce que c'était vraiment haut comme seuil. Donc, elle avait vraiment une grosse, grosse, grosse journée. Fait que là, je prépare mon sac le plus vite possible. Fait que là, ils nous disent, OK, go, on vous attend à l'hôpital, dépêchez-vous le plus possible pour être admis, tu sais, plus vite qu'on est admis, plus vite qu'elle est sous les lampes, puis plus vite qu'elle va descendre. Donc là, je te vous dis, là, j'ai fait mon sac là, éco-presto, j'ai allaité pendant mon chum faisait le coup, tu sais, des couleurs et tout ça. Je savais même pas si j'allais pouvoir coucher dans la même chambre qu'elle, ça allait être à la pouponnière. Tu sais, toutes les mesures de sécurité aussi avec le COVID, je savais même pas si j'allais pouvoir comme avoir des repas ou quoi que ce soit. Ils m'ont rien dit pantoute. Fait que je m'en vais là dans le néant, toute chose, tout seul. Fait que là, mon chum vient nous porter. Là, elle arrive à l'urgence, là, mon chum, il a pleuré, tu sais, il pleurait full, il nous a laissé là, puis tu sais, il était tout mal, puis tu sais, c'était pas tant pour Abby que j'étais stressée, mais pour toi, j'ai pas dormi pendant toutes ces journées-là, puis là, j'arrive à l'hôpital encore, je vous dis, là, c'était, je capotais. Finalement, ça a été super long avant qu'on aille une chambre, je suis arrivée à 2h15 à l'hôpital, puis j'ai eu ma chambre à comme, elle s'est faite mettre sous les lampes à 7h le soir, j'ai vraiment trouvé ça super long, je me suis fâchée contre les infirmières, parce que ça a comme pris 3h30, avant d'avoir une chambre, j'étais comme aux urgences dans une genre de chambre en attendant. Tu sais, quand ils me disent « on vous attend », puis ça a pris 3h30 me faire dire « ok, finalement, tu peux aller dans ta chambre », là, j'ai comme fait une genre de petite crise de panique, là, je vous avouerai, là, que ça, j'ai mal géré ça, là. Et j'avais hâte en titi qu'elle mette là-dessous, en tout cas. Bref, un coup qui a été ses lumières. 4 heures plus tard, ils ont fait un test, elle était stable. Puis le lendemain matin, ils ont fait un autre test, comme mettons 12 heures après avoir été sous les lampes. Fait que là, j'ai couché là, puis tu sais, on était deux dans une chambre. J'étais avec une autre maman puis son bébé. Finalement, j'avais les repas fournis. Fait que tu sais, ça au moins, c'était déjà bien, mais tu sais, on pouvait pas sortir de la chambre. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'avais. C'est ça, le lendemain, il y avait eu des beaux résultats. Elle avait descendu.
mais elle voulait, mettons, il allait refaire un autre test à 3h de l'après-midi, à 2h de l'après-midi. Fait que là, en fond, là, je reste encore là. Donc, c'est ça, il est revenu pour nous dire finalement que ça l'avait diminué tout ça, donc qu'on pouvait quitter si on voulait et tout. Donc, j'ai comme, tu sais, j'aurais pas vraiment mon congé à 3h30, mais je me suis dit, de toute façon, mon chum, faut qu'il vienne me chercher, on est comme à 45 minutes, donc j'ai décidé de rester jusqu'à 6h, donc il m'a comme donné mon congé à 6h, fait que j'ai comme pu prendre ma douche là-bas, mettons, manger mon souper et tout ça avant de pouvoir partir. Puis on est revenu à la maison. Le lendemain, il fallait retourner au CLSC. Tu sais, sérieux, ça l'arrêtait juste pas. Là. Il fallait soit j'allais à l'hôpital ou au CLSC. Là, je vais au CLSC. Là, elle me dit, aïe, mon Dieu, elle a remonté. Donc, je suis sortie de l'hôpital. Elle était à 248, son seuil. Puis, dans le fond, en tout cas, là, je vous épargne les détails. Mais, tu sais, là, elle était rendue le lendemain à 273. Donc, elle avait remonté. Là, j'étais comme, ben voyons. Mais, tu sais, elle était comme encourageante. Elle dit, elle boit bien. Elle fait des beaux pipis, des beaux cacales. Puis, elle dit, tu sais, tu la nourris super bien. Donc, elle avait pris quand même 80 grammes en une journée, ce qui est vraiment bon. Donc, tu sais, elle était pas du tout... elle dit, c'est normal, elle est comme dans son pic à la cinquième journée, elle est comme dans son pic de haute jaunisse. Donc, c'est normal qu'elle ait un peu repris. Mais, tu sais, c'était pas assez pour dire, on retourne à l'hôpital. Mais j'étais comme, à 280, là, il a renvoyé encore le test au médecin. Fait que, tu sais, j'étais quand même pas loin. Fait que là, hey, là, je me donnais. Là, on a fait du pot à pot. Pendant, en tout cas, toute la journée, à part la nuit, tout le matin avant que je retourne au CLSC, puis en tout cas, je la faisais boire, puis tu sais, dans le fond, c'est comme une déshydratation, là, la jaunisse, là. En tout cas, je vous épargne, vous pouvez faire vos recherches sur la jaunisse, là. Mais, tu sais, c'est pas dangereux, là, les bébés, habituellement, c'est correct, là, c'est juste que moi, ça m'inquiétait de retourner à l'hôpital toute seule, puis là, j'étais comme, est-ce que je peux enfin profiter de mon bébé, tu sais, puis dire qu'elle est bien, puis que... ça se passe bien. Puis, tu sais, j'étais tellement fatiguée. Fait que je voyais ça vraiment pire. Les émotions, les hormones après accouchement, je vous dis, là, c'est, on voit tout ça, c'est mille fois pire, là. Donc, on retourne encore au CLSC l'autre journée d'après. Puis là, finalement, là, fallait, mettons, elle piquait pas dans le talon si son seuil était en bas de 230. Fait que fallait qu'elle aille baisser quand même de presque 50 pour pas qu'on la pique. Puis j'étais à 201, chaque. J'étais tellement contente. Là, elle m'a dit, t'as tellement fait du beau travail. Elle a dit, le pot à pot, t'as nourri super bien. Fait que, tu sais, j'avais... là, c'était comme un high five à mon rôle de maman. Là, je me suis sentie super bien. Donc, elle avait pu, tu sais, dans le fond, elle était encore en jaunisse, mais contrôlée. Puis ça allait descendre tranquillement. Puis, tu sais, dans le fond, il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Elle me dit, elle va te rappeler demain. Elle dit, je pense pas que tu auras besoin de revenir au CLSC. On va faire comme un genre de rendez-vous téléphonique. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fait ça. Puis finalement, là, tout se passe bien. Elle boit bien. Donc là, c'était fini pas mal. Mais tu sais, on était quand même rendu à son jour 7. Donc, tu sais, que j'allais toujours à l'hôpital ou soit au CLSC. Fait qu'elle commençait à être un peu tannée. Puis je vous dirais, c'est ça, là. Comme je vous dis, j'avais vraiment un pic d'émotion. La fatigue fois 1000. J'étais comme en mode robot, là. On dirait que je faisais juste comme... j'avais de la misère à juste... me fournir mes besoins primaires, là. Juste comme... on dirait que j'allaitais... là, je savais pas trop... hey, je vous dis, là, j'étais comme... ah, j'étais pas là, là. J'étais vraiment pas là. J'étais... mes émotions, comme je vous dis, c'était n'importe quoi. Mais tout le monde me dit que c'était normal, puis que tout le monde passe par là. C'est comme une petite genre de dépression postpartum, là, après, là. Et donc, c'est ça. Puis, je vous dirais que là, à partir de la journée 8, donc le lendemain, comme mardi, là, on est vendredi, là, je me suis comme mis, tu sais, déjà là, je dormais un peu mieux la nuit, tu sais, je me suis mis à avoir un petit peu plus une routine. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on est jour 11, puis sincèrement, là, tu sais, je dis pas que je suis comme avant, là, mais je vous dirais que ça va vraiment mieux, tu sais, on s'entend, là, je fais des vlogs, puis tu sais, juste là, tu sais, on dirait que c'est se faire confiance aussi en tant que mère, on doute de plein d'affaires aussi, tu sais, je faisais tout ça comme faux, tu te remets full en question, puis moi, ouais, c'est ça, c'est pas évident, le début, honnêtement, je savais que l'accouchement, ça allait être rough, là, mais le après-accouchement, comme je vous dis, on s'en fait pas assez parler, comme de quoi que c'est vraiment une période difficile, puis c'est normal, puis sincèrement, tout le monde passe par là. Tu sais, j'avais même pas l'énergie d'écrire à mes amis ou à ma famille, tu sais, j'étais juste comme complètement pas là. Puis là, ben, comme je vous dis, ça fait comme 2 ou 3 jours, là, que là, je reprends le dessus, tu sais, mes émotions, ça va mieux. Des fois, j'ai un petit, tu sais, je pleurais tous les jours, là, tous les jours, tous les jours. Soit que je me sentais coupable de quelque chose, je me sentais pas bonne, mais...
là, je doutais sur une affaire, sur sa santé. En tout cas, c'était vraiment particulier. Puis mon chum, il a été numéro un. Puis sérieux, mon chum, c'est un papa en or. Il s'en occupe tellement bien. Puis, sincèrement, au début, là, j'ai pas quasiment changé une couche. Tout lui, il a changé. Il pleure, il se lève. Tu sais, il m'aide vraiment beaucoup. Il me fait le ménage, il fait le souper. Sincèrement, j'ai rien à dire. Je l'aime tellement. Puis je l'aime tellement plus. Tu sais, c'est bizarre, là. Ma petite bulle de cocon, là, tu sais, on est en confinement, on veut pas qu'on voit personne, mais tu sais, ça nous permet quand même de vivre hein, des beaux petits moments à trois. Puis là, je les apprécie, tu sais, ça fait comme juste deux, trois jours que j'apprécie ça. On dirait qu'avant, j'étais comme trop en mode zombie, là, je vous dirais, là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, ça va vraiment mieux. Et puis, c'est ça, je suis vraiment contente. Puis c'est ça, c'est particulier. Hein. Maintenant, je suis maman et j'aime vraiment ça. Donc, comme je vous dis, ça fait comme quelques jours là, que ça va mieux. Et c'est ça, je suis très reconnaissante. Puis tu sais, finalement, elle est en santé, elle va super bien, c'est la plus belle. Quand c'est ton enfant, c'est comme tellement le plus beau, elle est parfaite. Mais j'ai vraiment un bébé calme, là, honnêtement, là, elle pleure pas, à part si elle a faim. Quand il change la couche, mettons, là, tu sais, puis elle a froid, là, limite, là. Ou, mettons, qu'on lui fait prendre son bain, là, elle est dans le bain, elle est super bien, mais, tu sais, on la sort, évidemment, pour la sécher, elle va peut-être chigner un peu, mais, tu sais, elle est vraiment bonne, là. C'est vraiment un bon bébé. Elle boit quand même assez fréquemment encore, tu sais, je vous dirais que je pense pas qu'elle va faire ses nuits tout de suite, là, tu sais, il y a des bébés qui font leur nuit à 5 semaines, là, tu sais, moi... Elle se réveille souvent, mais tu sais, gardez, comme je dis, je reprends un peu une routine, puis c'est ça, tu sais, je suis sûre que je vais être fatiguée, puis je pense que je vais être fatiguée tout le long de mon congé de maternité, là, honnêtement, là, je dormirai pas des nuits complètes avant un petit bout, mais honnêtement, là, ça va vraiment mieux, puis tu sais, j'essaie de me coucher comme plus tôt le soir, mon chum, il essaye d'être comme avec elle comme le soir, plus longtemps. Quand là, elle veut boire, il vient m'apporter, il se couche. Puis là, tu sais, mettons, je prends le relais. Puis après ça, ben la nuit, c'est moi qui s'en occupe. Mon chum, il dort vraiment jusqu'au matin. Donc lui, comme il a toute sa nuit ordinaire, si on peut dire. Tu sais, j'allaite, là, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Donc c'est à ce moment-là, lui, qui se repose. Tu sais, moi, mettons, je me lève à toutes les boires. Je me rendors. Mais là, depuis 2 jours... est tellement éveillée, là, je vous dis, là, tu sais, d'habitude, un bébé de 0 à 2 mois, ils disent qu'il y a comme 1 heure d'éveil par jour. À moi, depuis hier, là, ça n'a pas de bon sens, là, à chaque fois, j'essaie de la mettre dans son lit. Dans le fond, là, en ce moment, elle dort à côté de nous, pour l'instant. Mais à chaque fois, je la dépose dans son petit lit, les yeux tout ouverts, puis elle jase, puis tout est chaud, let's go, let's go. Je suis comme, hey, oh, wow, c'est la nuit, maman veut se recoucher. Mais finalement, elle finit par s'endormir, mais comme un bon 20 minutes, là, les yeux bien ouverts, puis elle tripe, là, je pense. Là. Mais en tout cas, fait que ça fait tout le temps ça. Après chaque boire, elle ne s'endort jamais. Puis même que tantôt, là, avant d'aller à la marche, là, vers 11h, oh, j'ai oublié de mettre sur stop ma marche, justement. Ouais, c'est ça. Fait que de 11h, mettons, 45 à 1h et quelques, là, éveillée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que moi, là, à top, là, 1 heure d'éveil, là. Mais c'est beau parce que, tu sais, elle est ouverte, on peut y parler, tu sais, on... En tout cas, j'aime vraiment ça, mais c'est ça. J'ai pas un bébé qui dort beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a une chance qu'elle pleure pas parce que ça serait quand même assez intense. Mais, tu sais, comme là, comme je l'ai fait boire avant d'aller prendre notre marche, puis là, elle a dormi tout le long, elle dort encore. Puis, c'est ça, c'est vraiment un bon bébé pour l'instant. Tu sais, ça va peut-être changer et tout. Mais pour vrai, elle pleure presque pas. Sinon, c'est vraiment parce qu'elle a une raison, tu sais, changer sa couche ou bien elle a soif ou bien... Des fois, elle est juste mal, là, mais comme je vous dis, là, elle est comme plus difficile à s'endormir toute seule depuis 2 nuits, mais tu sais, ça va peut-être revenir, là, mais c'est juste qu'elle est éveillée, là, fait que c'est pas qu'elle pleure pas quand je la dépose dans son lit, c'est juste qu'elle jase. Donc, ça ressemble à ça pour les débuts. Je vais vous mettre encore là, à la suite de mon vidéo, plein de petites photos ou des petites vidéos que j'ai faites, là, durant les premiers jours de vie. Puis comme je vous dis, en ce moment, elle a 11 jours aujourd'hui. Donc, elle est née le 13 avril. Aujourd'hui, on est le 24 avril. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme aussi ma première journée là, que je me remets à faire des vidéos. Puis, je vais me remettre en enfer. Je dis pas que je vais vlogger à tous les jours. Là. C'est comme, premièrement, on est en confinement. La moitié du temps, j'allaite. Mais, tu sais, bref, peut-être que je vais en faire quand même régulièrement, mais je pourrais pas vous dire à quelle fréquence je vais en faire. C'est sûr aussi que je voulais finaliser les petites vidéos que je vous avais dit.
Dans le fond, qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé dans ma valise d'hôpital? Je voulais faire ça. Je voulais aussi vous faire la vidéo par rapport à mes indispensables en grossesse aussi que j'avais dit. Là, pour l'instant, c'est sûr que tu sais, j'ai quand même perdu de la bédaine, là, honnêtement, mais tu sais, j'ai pas perdu tout, du tout mon poids, je pense pas, parce que je rentre pas nécessairement encore dans mes pantalons avant ou quoi que ce soit. Mes chandails, ça va mieux. Mais tu sais, c'est sûr et certain que tu sais, je vais encore porter mettons, mes leggings de maternité ou des choses comme ça. Enfin, je les rangerai pas tout de suite. Fait que peut-être que je vais attendre un peu avant de faire cette vidéo-là. Comme ça, quand que, mettons, je vais vraiment les ranger, ben là, je vais pouvoir plus vous les montrer parce que là, au fur et à mesure, ça va comme un peu mal pour vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé puis qu'est-ce que j'ai aimé. Donc, ouais, quand je vais avoir finalement remis mes anciens vêtements, je vais pouvoir faire plus cette vidéo-là. Donc, ça risque d'être un petit peu dans plusieurs vidéos. Comme je l'ai dit, je vais me peser lundi prochain. Après 2 semaines post-accouchement pour voir qu'est-ce qu'il en est. Je ne me suis pas pesée depuis. Je sais vraiment que j'ai perdu de la bédaine, mais tu sais, j'ai vraiment gardé vraiment mes hanches, cuisses et tout. Donc, tu sais, je sais que tu sais, je suis pas revenue à mon poids d'avant, là. C'est sûr que non. Tu sais, j'ai quand même pris, quand j'ai. Ouais, mettons que je pars à mon plus bas, puis que je me suis pesée, mettons, la veille de mon accouchement, j'avais pris 40 livres. Donc, tu sais, c'est un petit peu plus que je pense la moyenne, mais en même temps, c'est pas si terrible que ça. Mais tu sais, ça m'étonnerait que j'avais perdu 40 livres en 2 semaines. Là, on s'entend que je comprends qu'on en perd un peu avec l'accouchement, mais tu sais, je vais avoir encore du travail à faire, c'est sûr. Puis je vais pas mettre de pression là-dessus, là. Je veux vraiment ouais, ça, laisser ça aller, là. Puis, comme je vous dis, j'ai attendu 2 semaines. Puis après ça, ben, je vais me remettre. T'sais, en fait, c'est pas que je mange mal, là, mais t'sais, comme là, je mange normal, puis t'sais, je me prive pas, puis je fais t'sais, de beaucoup, je fais quand même manger beaucoup de légumes et de fruits, puis tout ça. Je m'alimente bien, là, c'est juste que des fois, je me permets des petites gâteries, comme n'importe qui. Mais d'après moi, la semaine prochaine, je vais me remettre, comme je vous avais dit, peut-être à faire le plan alimentaire de Victoria Coach que j'ai parlé sur un challenge. Et aussi, c'est ça, là. Là, ça fait comme ma troisième marche que je fais. J'ai fait une petite marche avec mon chum hier parce qu'il faisait pas vraiment chaud là. Donc on a vraiment fait une mini marche. Puis la journée d'avant, on dirait que j'avais vraiment besoin, tu sais, comme je vous dis, c'était comme ma première journée que j'allais mieux. J'avais vraiment besoin d'aller prendre l'air. Fait qu'après avoir allaité, j'ai été marcher moi toute seule. Puis sérieux, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que c'est comme ma troisième marche que je fais. Puis j'espère, en fait, mon petit objectif aussi, avant de commencer à me réentraîner, c'est d'aller marcher tous les jours, si possible. C'est sûr que j'aimerais ça y aller avec la poussette, là, mais s'il pleut, quoi que ce soit, je vais peut-être aller marcher aussi sur mon tapis roulant en bas. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'il y en est. Puis, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Bye! Donc, le petit dîner, c'est genre du jambon sauce béchamel, un peu spécial, je vous dirais. Petite carotte, j'avais ici une petite crème de tomate, un thé. Et un petit gâteau. Un petit gobelet. Je vous présente Abby. Ah, ma belle cocotte. Oui. Coucou. Et les petits doigts. Regardez ça. Tout ratatiné. Allô, ma cocotte. Hello. Alors, petit dîner postpartum. Donc, une petite soupe aux légumes. C'est un petit veau, un petit genre de petit mijoté veau sauce un peu tomate. Ça sent bon quand même. Patates pilées et chou-fleur. Puis pour dessert, j'ai une petite galette à la mélasse. J'ai un thé et un berlingot de lait. De retour à la maison. On est rendu mercredi. Oui, fais du sourire. Alors, on est rendu mercredi le 15. On est trop content et maintenant, on va se reposer. Bonjour, ma belle. Aujourd'hui, Abby, elle va avoir 6 jours ce soir. Elle a fait des beaux bobos en attendant son boire.
deuxième coupe de vin que je me permets depuis que j'ai accouché. Mon chum hier il est allé me chercher une belle bouteille. J'ai pris une petite consommation. Alors, on a essayé un coup de cœur d'un de nos représentants, pas représentant, mais il y a un vendeur à notre sac dans notre village. Là. Il est super, en tout cas, il connaît vraiment bien nos goûts. Puis c'est tout le temps le même. Donc, on a essayé Domaine des Cibadiès. C'est un chardonnay, puis c'est vraiment un de ses coups de cœur, puis c'est nos goûts, puis tout ça. Puis il nous a conseillé celui-là. Fait que mon chum l'a acheté hier. On a pris une petite coupe dehors en fin d'après-midi. Mais tu sais, je voulais pas prendre plus qu'une coupe. Donc, ils m'en ont laissé un petit fond. Puis, je vais pouvoir m'en prendre un. À l'instant. Et là, il faut que je fasse... Excusez, j'ai vraiment de la misère à m'allumer. Alors, je viens d'allaiter. Alors, il va même peut-être m'en rester un petit verre pour demain. Allô, Abby! Alors, aujourd'hui, tu as une semaine. Tu fais des gros dodos. Oh, t'es trop belle! Bon, on a mis Abby dans sa belle chaise vibrante. Alors, aujourd'hui, on a 8 jours. Trop belle, la cocotte. Et là, elle est éveillée. Hein? Alors, dans sa petite heure d'éveil, à peu près. Là, on n'a pas tant que ça. Les bébés, ça fait pas mal juste dormir. Donc, on l'a mis là. On peut préparer le repas en attendant. Alors, je vais juste vous la montrer un petit peu. Coucou! Abby, on l'a mis dans un petit sous-sol. Ou une sirène. Ouais, t'es jeune. Se réveille.